Salut à tous, c'est Alex Benito. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui face à mon plus grand cauchemar, Manchester City. On est sur les phases retour de ligue des champions et je vais vous faire un épisode spécial. Essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale à nouveau. On est troisième du groupe. Le Real et City, ça va être très très chaud. Ça va vraiment être très très chaud. Je ne vois pas comment je vais pouvoir passer. On va jouer à fond. On va jouer à fond cette année. City, Celtic et Le Real, trois matchs dans cette vidéo, on va faire des petites coupures euh, de manière à ce qu'il n'y ait que les matchs de Ligue des Champions dans cet épisode spécial. La dernière fois j'avais fait un petit live où on s'était arrêté euh, il me semble par là. J'avais bien avancé, on s'en est quand même plutôt bien sorti avec des victoires notamment en Ligue 1. À Ligue 1 ça se passe très très bien, très 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 bien et euh, tant mieux d'ailleurs puisque Paris a été accroché à la dernière journée. Ils ont été accrochés par Guingamp, 0-0. Du coup, on se retrouve leader de Ligue 1 avec un point d'avance sur Paris. C'est très serré entre Marseille et Lyon. On a des belles, euh, belles, belles saisons. Et Sarmiento qui pointe euh, meilleur buteur de Ligue 1 pour l'instant. Devant Pelligri, Cardi, Mbappé. Et on a, on a Gouiri qui ne doit pas être très, très loin, j'imagine. Voilà. Bel, euh, beau début de saison aussi. Et puis, euh, euh, la Coupe de France n'a pas commencé. Et le trophée des champions, c'est déjà dans la poche. Donc on fait quand même un bon début de saison. Mais là, ça va être compliqué. Est-ce un mal pour un bien Est-ce que c'est bien d'aller en huitième Mais on sait qu'on va peut-être se faire éclater. Ou est-ce que pour une fois, depuis trois ans, enfin pouvoir jouer l'Europa League va nous amener à quelque chose On verra. On verra, on verra. Euh, servet Mneto, Anderson, ça me paraît très très fort, euh, Guiri, Paulinho, Icone, Aaron-Martin, Zagadou, Romero, cette fois-ci on l'a Romero, parce qu'on match allé on l'avait pas, et on a pris 4-1, ah si il était là, il était là, c'est face au Real, qu'on avait Omar Solé qui a fait un match de merde, on a quand même pris 4-1 chez eux, hein. c'est très fort, hein. c'est très très fort, mais oui, regardez-moi ça, Rodrigo Rodrigo, 179 millions d'euros. Ah, ben voilà. Quant à ça, déjà, tu te dis que ça va être assez compliqué. Mais on va tout donner, on y croit, on sait que cette équipe, elle, a quelque chose. Il ne manque pas beaucoup pour réussir à battre les grandes équipes. Laotaro, Rodrigo, Phil Foden, Serna, De Bruyne. Hermosillo, Bombarda, Laporte, Lambert, Milenkovic et Ederson. On a quelques inconnus au bataillon. Notamment Alexandru Cerna, le Roumain. International roumain. Pas forcément le titulaire du moment et pas forcément excellent. Hermosillo, le Mexicain, lui, ça a l'air d'être un titulaire. Bombarda, ça a l'air très fort aussi. 46 millions pour ça, c'est un déconnu. C'est hyper cher. Hyper cher. Oh, le Paul Lambert, 19 ans. Il vaut 32 millions. Déjà observé par le Barça. Mais il a peut-être quelques lacunes. acheté 53 millions au Losc, Mais c'est ouf, hein, les sommes qui sont dépensées. Bon. Et Derson qui est toujours là. Et en même temps, vu les qualités qu'il a, tu m'étonnes qu'il qu soit toujours là. La compo... On la connaît, on fait confiance en ces joueurs qui peuvent le faire, surtout euh, chez nous, à la maison, devant nos supporters. C'est quasiment mission impossible. La dernière fois sur le live, vous m'avez dit, City, c'est injouable. C'est clairement injouable. Peut-être que face au Real, il y a une chance, mais City... Et voilà, David Raya. J'y crois encore à l'exploit. Je me dis pas que c'est perdu d'avance. Et je me dis que c'est tout à fait possible. Avec ce contrôle poitrine. Et Gouiri qui vient allumer Ederson. Lui qui sera à Manchester United l'année prochaine Amine Gouiri. Donc il veut déjà faire forte impression face à City. Ouais, Christian Romero... Déjà averti dans ce match. Rodrigo, qui a dû prendre un, un coup assez violent. Georges Servet, Georges Servet, dommage. Emerson est exténué déjà, mais what Qu'est-ce qui lui arrive à Emerson 74, c'est pas exténué ça, c'est un peu fatigué. C'est rien de bien méchant, De Bruyne. Hermosillo. C'est vrai que ça a l'air un petit peu fatigué côté City. Rodrigo La parade David Raya Il va la chercher, celle-là. Wayne, Milenkovic. Le petit Lambert. Ça joue haut, hein. ça joue très très haut quand tu vois où est, euh, est la porte et Lambert. C'est vrai que si on peut contre-attaquer, ça peut être pas mal. On va jouer en contre. Hein. On joue bien. Hein. Moi, si je prends un point là, ça peut peut-être le faire, même si c'est vrai que c'est City plutôt mon adversaire principal. On doit battre ici, en espérant que le Real bat City derrière. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte pour savoir si on va se qualifier. Il faudra battre le Celtic. Et peut-être battre le Real, mais ça serait. Ça dépend aussi de ce match-là, je pense. Parce que le Real, ils ont validé leur qualif déjà. Ils battent le Celtic, ils ont déjà battu City, nous ont battu. Ils ont beaucoup de points. On va faire un petit truc comme ça. La sortie de, de Paulinho. Et je vais faire entrer Manu Morlanes. La récup Zagadou avec Romero. Tranquille, les gars. On sait que David Raya ouais, il a une très très bonne relance au pied. Ouais, on n'arrive pas. On n'arrive pas à passer euh, ce milieu de terrain. À moins que Morlanes, il est frais. Il a du jus. C'est pas mal ça. C'est pas mal L'ouverture du score de Georges Caillot. Caillot rentré Oh oui! Quelle entrée! Quel changement de tactique parce que ça joue avec les remplaçants. Morlanes, Guiri sur un côté. Et on va chercher l'attaquant vedette du moment. Caillot, Jorge. Si on arrive à tenir ce score, c'est l'exploit enfin! Est-ce qu'enfin on arrivera à battre City au moins une fois dans cette carrière? Ça sera la première fois que je battrai City, je pense. Après le nombre de fois où je les ai rencontrés euh, en huitième de finale. On l'a fait enfin. On l'a fait. La victoire à la maison face à City. Et là, on va leur mettre un énorme coup de jus. Énorme coup de jus parce qu'on va repasser devant dans le groupe. Ben, je crois. Je crois, je crois. Et non, on ne repasse pas devant. Égalité. Égalité dans ce groupe. Si on basse le Celtic, on montera à 9. Et il faudrait que le Real batte City. Parce que si, si City bat le Real, je pense que je suis dehors. Je suis dehors. Euh, on va voir. On va voir. Là, j'ai des sélections. On va faire le match face à Nîmes en off. Et on reprend. Écarté. Caio n'a pas été sélectionné. Ah là là, Gouiri en France. Toujours euh, toujours un espoir. Georges servais pas une équipe première. Dommage. Bon, on se retrouve pour le match face au Celtic. Et c'est parti, on reprend face au Celtic. Je suis dégoûté. On a perdu face à Nîmes 2-0. Et la pire histoire, c'est que Paris a aussi perdu. Ils ont pris 2-0 par Bordeaux. Ça veut dire que j'aurais pu euh, leur coller trois points de plus d'avance. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. S'il y a bien une saison où on peut les prendre, c'est maintenant. Et moi, j'en suis déjà à trois défaites. Donc là, euh, il va vraiment falloir se réveiller si on veut conserver cette première place. Parce qu'on sait très bien que quand ça va être lancé, ça va être impossible de jouer Paris. Alors, les Celtics. On va mettre. Euh... Paulinho, Anderson, Neto, euh, Touzard. Servé, je l'ai trouvé un petit peu en dessous dernièrement. Et on va faire jouer Daniel Finsen. Le petit nouveau qui, qui commence très très bien sa saison. Trois buts, une passe d'ess. Évidemment, Emerson, pas à la couche. On va mettre Miranda cette fois. Miranda qui a besoin d'un peu de temps de jeu, je lui ai fait la promesse. Face à Solank, Peñaranda, ils ont changé leur compo hein, depuis la dernière fois que je les ai affrontés. Johnstone, Fleck, Willow, Gray, Borna, Sosa, Taylor, O'Connor, Frimpong et McGillivray. Allez là, c'est pas le moment de choc. Il faut gagner ce match. Si on veut continuer à mettre la pression sur City et on va suivre attentivement le résultat à côté. Si, euh, si City prend une grosse raclée par le Real, ça peut le faire. Finsen. Daniel Finsen. Avec Martim Neto. Touzard. Quel okay, petit piqué pour Miranda. Miranda. Qui s'écroule. C'est pas fini. André Anderson. L'ouverture du score d'André Anderson. Première minute de jeu. La spéciale. Les frappes d'André Anderson font très mal. C'est Paulinho hein, qui vient récupérer... Et la frappe au premier poteau. Pour ouvrir le score. Ensuite. Ah, c'est à City en plus. Hein. C'est à Manchester. Free La réaction des Celtics peut-être. Avec Johnstone. C'est récupéré. Ça peut très très vite relancer. Martin Neto avec Guiri. Le contrôle et on s'oriente. Ou André Anderson, ce qu'il a fait là. Il veut y aller tout seul. On n'est qu'à la quatrième minute du match. Et c'est déjà le bouillon. Pour le Celtic euh, qui souffre. Miranda. J'ai tenu mes promesses. T'as à être bon sur le terrain maintenant. Pour l'instant, c'est le cas. André Anderson, il est intenable! Dans ce match. Jour 0-0. Entre le Real et City. Attention, attention. Ouais, on fait pas de pénalty, les gars. Ouh Dominique Solanque qui touche. L'arrêt. On n'était pas loin de se faire égaliser. C'est le temps fort, c'est le temps fort du Celtic. C'est bien joué, ça. C'est bien joué. Le contrôle poitrine est parfait. Guiri. Par contre, les face-à-face, c'est pas ça. Hein. Bien joué, Christian Romero. Il est bien haut. Il est bien sorti de sa, de sa défense. Et Paulinho, magnifique. Chercher Finsen. Toujours 0-0. Ah, c'est type qui ne démérite pas et qui a des opportunités. Après nous, on récupère et on se projette très très vite vers l'avant avec Martin Neto. Emerson, Emerson. Bah oui, André Anderson au tapis. Et c'est lui qui va se charger du pénalty. C'est mérité. Et c'est le deuxième. C'est le deuxième dans ce match. Andy Anderson, c'est vraiment euh, la superstar de l'équipe. Hein. Une recrue comme ça pour 14 millions. Non mais sans déconner, regardez-moi ces stats. 14 millions d'euros seulement. Il en vaut déjà 42. Il a été totalement bradé. J'ai pu le récupérer. Oh Paulin il a, il a trouvé la lucarne. Tout en technique. Et la passe euh, du meneur, Martin Neto, est incroyable. Et là, il vient viser la lucarne ici, tout en précision. Elle est très très belle celle-là. 3-0. Ça fait mal. Et 1-0 pour le Real. Andre Anderson. Bon, on s'il la met celle-là. Ça va tourner au massacre. Et but, euh, but de Dembele hein, pour City. Pour, euh, pour le Real. Rentrer. Je fais rentrer Georges Servet, Curtis Jones. Et on fera le dernier, euh, dernier changement un petit peu plus tard. Le voilà Servet justement qui veut s'illustrer directement. Lui qui a été mécontent de ne pas avoir été appelé à l'équipe de France. De toute façon, ça va vite. Ça va vite. Randa il a loupé il a comment il a réussi à louper ça toujours un 0 pour le Real. et dernier changement à l'entrée Le caillot oh curtis oh ce coup de tête On a encore, la... On a encore les échafaudages là, du fait qu'on est, tra... est en train de grandir le stade qui sera bientôt prêt. Ça doit se terminer euh, dans la semaine qui vient, juste après le match. André Anderson avec Georges Servet. Oh, dommage, je la voyais au fond, ça là. Et 2-0 pour le Real, haut de gardes. C'est bon, ça, c'est bon. Après les dernières journées, nous, on joue le Real. Et City joue les Celtics. City va, va battre les Celtics. Et ça sera à nous d'arracher un point. Il faudra minimum un point. Parce que on, si on perd face au Real, c'est fini. Oh, Curtis. Oh oui, avec André Anderson. Il aurait mérité son triplé. On peut encore y croire. On peut encore y croire. City aura la pression de devoir gagner face aux Celtics. Ah, le but! But de Ryan Christie en fin de rencontre. Sans conséquence. C'est bien, c'est bien, c'est bien, les gars. On fait une belle campagne européenne encore une fois. Et on encaisse. 2-0 hein, pour le Real. On va encaisser les 2,7 millions de plus. Et le gros, gros match d'André Anderson. Et du coup, on se retrouve avec 9 points. Euh, City en a 6. City a une meilleure différence de but. Celtic, qui prennent moins de 17 dans les dents. Ça va être chaud. Donc, euh, prochaine journée, euh, City-Celtic. Et nous, on se déplace à Madrid. Il faudra minimum un point. On va voir. Je vous fais une petite coupure et on se retrouve pour cette dernière journée à suspense. Soit à la Ligue des Champions soit l'Europa League dans les deux cas l'aventure européenne va continuer. Allez, on reprend juste avant le Real Madrid, petite annonce, euh, j'ai officialisé le partenariat avec le Racing Santander, vous savez que c'est un club qui me tient à cœur, voilà, j'ai envie d'étendre l'envergure du stade Rennais au-delà des frontières, on va prendre sous notre aile ce club de Santander, voilà, donc on a le droit d'envoyer des joueurs en prêt, ça ça va être super important, voilà, j'ai envie de les aider. Et aider à monter, faut savoir euh, voilà, ce qu'il faut savoir sur euh, le Racing Club de Santander qui est en troisième euh, division espagnole. Il faudrait qu'ils montent en deuxième en div. Ils arrivent à monter en deuxième div, euh, comme euh, même pourquoi pas en Liga, comme à l'ancienne époque. Voilà, euh, donc c'est confirmé. On leur versera un petit peu d'argent aussi. Euh, voilà, ils font partie. Ils font partie, c'est où C'est pas là, c'est dans Info club et Affiliation. Ils font partie maintenant de notre réseau, permettant euh, de prêter des joueurs. Parce que là, c'est vrai que sur les clubs qui étaient là, euh, les joueurs ne voulaient pas forcément euh, partir en prix là-bas. Et puis, ça peut nous donner euh, certaines opportunités de récupérer des pépites aussi, euh, à côté du club espagnol. Voilà. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Le match face au Real, on va voir un petit peu ce qui s'est passé euh, depuis aussi la victoire face au Celtic. On a battu le LOSC 1-0 grâce à Curtis Jones. On a battu Angers 3-0, Gouiri et Anderson. Et on a battu Dijon, Iconé, Curtis x2, Neto et Omar Solé. On va un petit peu faire tourner pour faire reposer avant d'affronter le Real Madrid. Il nous faudra minimum un point dans ce match. Pour espérer passer à un huitième de Ligue des Champions. Je suis en train d'observer des arrières droits. Puisque Alacouche a officiellement demandé à partir. Donc euh, il va partir. Je ne vais pas le retenir. On a Curtis qui est blessé. On a Gouiri qui est blessé. On a servet qui est blessé. Ça a été une semaine assez compliquée. On va jouer avec Daniel Finsen, Caillot, Paul Ignion, Morlanes, Neto, Anderson. Ça va plutôt être Touzard. Touzard, Neto, Anderson. Voir, euh, voir comme ça, même avec Morlanes. Ils ont plus l'habitude de jouer ensemble, même si la saison, pour l'instant, de Martin Neto est, est folle. Il va pouvoir rentrer en cours de jeu. Miranda, Zagadou... Non, pas Miranda. Aaron Martin, Zagadou, Romero, Emerson et David Raya. Je vais jouer en défensif. Défensif avec des passes directes. Passes directes un peu élevées. Et on va jouer large. On va jouer large pour essayer d'arracher ce, ce petit point face à l'équipe du Real voilà, euh, dans la journée qui arrive. Alors je ne sais pas si c'est chez les Celtics. C'est en Écosse, donc pourquoi pas. Mais euh, si City gagne, en tout cas, ce qui est pour moi le cas le plus probable, nous on doit pas perdre. Victoire au nul, et ça passe. Donc on a notre destin en main finalement. On a notre destin en main. Dembélé, Dani Olmo, Odegaard, Malcolm, Awarce Bayos, Ortega, Kimpembe, Varane, Carvajal, Casillas. On l'a vu en live. C'est quoi ça Il neige Moins 3 degrés sous la neige. Ça peut être l'occasion de faire un beau 0-0 dégueulasse. Il ne faut qu'un point pour se qualifier. Est-ce qu'il y aura malgré tout, malgré ce temps, est-ce qu'il y aura du beau jeu à Santiago Bernabeu ah. Il y a 1-1 un, un entre, entre le Celtic et, et City en 4 minutes. Totalement fou. Malcolm Aouar. Il neige à Madrid, quoi. Il neige à Madrid, les gars. Oh, le but. Moussa Dembélé. Classique. Sur le, le centre de Dani Olmo. Le centre en coup du foulard, en plus. Il n'y a aucun respect. Mais pour l'instant, il n'y a nul... Entre le Celtic et City. Donc si ça reste match nul, on est bon. Et je crois que mon équipe, elle n'est pas faite pour jouer défensif. Donc on va changer ça. On va passer juste équilibré. Parce que sinon, on ne va pas avoir d'occasion. Allez, on se remet. On repart devant avec Caio Jorge. Bien jouer la passe. André Anderson qui va pouvoir orienter le jeu et qui passe. Qui passe le rideau défensif. Et qui vient buter. Sur Casillas. Ah, c'est pas ouf. Prenez votre revanche, les gars. Prenez votre revanche et ouais, ça, pour moi, ça c'est bon. On passe par André Anderson et après, une fois qu'on est sur le milieu de terrain à 3, on écarte. Sur Paulinho et Finsen On a l'air de reprendre un petit peu les occasions Pour l'instant toujours match nul Piège entre les celtics et City Mais ça serait bien Nous aussi d'égaliser Qu'on soit pas dépendant de ça Parce qu'on sent bien le, le but de City à la 95 Et la contre-attaque De Martino de garde Ah s'il trouve Dembélé je suis mort C'est bon rentrer. Artim Neto. Et Icone. FinCEN est peut-être un peu... Icone en Joker, vous le savez, hein Oh Poligno à la douche. Poligno cramé. Ah, je suis dans la merde là. Miranda est lié intérieur. Alors là, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah, oh, ce match est tellement tendu, tellement tendu. On peut le faire. Le voilà, Miranda. Oh, oh, oh. Ah non. Ah oh là là. Allez les gars, bordel. Ah, je suis chaud de ouf là. Il y a toujours 1-1 un, un entre les Celtic et City, mais On va peut-être... Je veux pas trop m'avancer. Il reste encore du temps. Je suis hyper attentif au résultat, mais je sens la douille. Je sens le petit coup de, de script là. Hop. Bah nous on va tenter le tout pour le tout. Hein. On va tenter le tout pour le tout. Très offensif, balancer devant. Balancer devant et centré. Centré de loin. Un but. Un but. Un but. Et on est sûr d'être bon, d'être en huitième de finale. Parce que là, ça. Je sens la douille au dernier moment, à la dernière minute. On va nous faire ça. C'est fini pour nous, la Ligue des Champions. Cerna. Cerna qui monte. Attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot, les joueurs du Real Madrid. On a fait un beau match. On a des belles stats. On a des belles stats. Tousar qui dégage. C'est pas terminé. Il faut récupérer, les gars. Il faut récupérer. Zagadou, Neto, Odrio, Zola. Awar. Edenazar. Allez, allez, allez. Oh non. Oh non. Oh bien joué ça. Très bien joué. Mais on n'arrive toujours pas à s'en sortir. On n'arrive toujours pas à s'en sortir, bordel. Là, si on récupère sur le corner, ça peut être bon. Mais on n'arrive pas, on n'arrive pas à remettre le pied sur le ballon. Peut-être là. Peut-être là. Toujours 1-1 entre les Celtics et City. 92, 93. Oh les Celtics, on va les bénir. On va bénir le Celtic. Il reste une minute. Jouer ça... Bien joué ça. Putain, mais ils, ils ont la hargne, hein. on perd un zéro, mais ils sont quand même là, mes joueurs. C'est ouf. Hein. Ça va être terminé. Ça va être terminé. Je sais pas si on se qualifie. On a bien joué. On a très bien joué. On n'a rien à se reprocher. On n'a rien à se reprocher. Le verdict 1-1 entre les Celtics et City qui vont nous offrir la qualification au premier tour, au huitième de finale de Ligue des Champions. Encore une fois, quatre ans d'affilée, quatre saisons consécutives. Et cette fois-ci, on met City sur la touche. On les met dehors et notamment ben, grâce à cette victoire en zéro, hein, tout simplement. Oh là là, c'est énorme, c'est énorme, 4 ans de suite, 4 ans d'affilée, les habitués des 8e de finale de Ligue des Champions et cette fois-ci on sera sûr que ça ne sera pas City qu'on va taper en 8e de finale. Les autres qualifiés, United, Lyon, l'Atletico Madrid, le Milan, Liverpool, Juve, Barça, Naples, Inter, Borussia Dortmund, Paris, Gladbach et Arsenal-Bayern. On va se taper vraiment du lourd. Mais au moins on y est. Au moins on y est. Et j'ai envie d'aller faire le tirage, de suite. Allez, on fait une petite coupure et on se retrouve de suite pour le tirage. Il est là. Il est là le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. À nouveau, on est ici. J'imagine même pas ce que ça va être. On lance le tirage automatique. Ça peut être directement le Bayern, peut-être. Atlético. Lyon. Lyon-Liverpool, ça va être une belle affiche aussi. gladbar Barça. Tout, je, je peux tout prendre, mais pas de club anglais, s'il vous plaît. Il reste que ça, quasiment. Je vais me taper l'Inter. Oh, ça va, l'Inter. Je voulais tout sauf des clubs anglais. Arsenal, United, Liverpool, tout ça, c'est pas pour moi. L'Inter, ça va être chaud. Avec que des belles affiches, comme d'habitude. Que des belles affiches. Et on est là depuis 4 ans, depuis 4 saisons. C'est la quatrième saison où on sera là. On va jouer l'Inter Milan d'Ernesto Valverde. L'équipe est très forte. Hein. Voilà, l'Inter, on le sait, hein, sur FM, sur FM ça, ça, casse, ça casse des culs. Euh, ils ont euh, bah, évidemment euh, voilà Moiskin, David Neres, Nicolo Barella. On le présente plus avec Christian Eriksen et euh, Stefano Sensi, très très fort, Angelino, je l'avais eu avec Séville, il est très très bon comme arrière gauche, je le recommande, Bastoni, Scrignard, c'est monstrueux, euh, Bastoni et, et surtout Milan Scrignard. très très fort, Moussa Wage et Emile Audero. Sachant qu'il y a Robert Skov qui joue pas mal aussi. 18 apparitions, 8 buts, 4 passes S. Et il y a. Ouais, non, c'est tout. Après, sur le banc, ils font pas jouer beaucoup plus que ça. En vrai, ça me fait moins peur que du Real Madrid ou que du City. Hein. En vrai, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça va pas être simple. Quatrième de Serie A. Ça prend des 3-0 par le Milan. Ça peut perdre contre la Lazio et contre Spal. Après, ça, mais ça claque quand même des 3-0 face à, face à Dortmund. Ils ont assez survolé leur groupe, j'ai l'impression. Oh là là oh là là, ouais, ils ont survolé leur groupe. Ça va être chaud, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je suis beaucoup plus content de, de taper l'Inter que, euh, que de taper euh, Liverpool, Arsenal, United. Voilà. Donc, euh, quatrième année d'affilée en huitième. Ça fait trois ans qu'on est sorti. On n'est jamais allé en quart de finale. Pourquoi pas dans cette euh, saison-là Laissez un petit commentaire pour donner vos avis comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.